Victoire pour les enfers! Victoire pour le diable! Et surtout, victoire pour l'abominable Jack et ses amis! Rien ne peut arrêter Jack, ni les monstres, ni les hommes, ni le Père Noël lui-même. Perçant leur défense, il se rendit avec ses compagnons jusqu'au cœur du Nord. L'air glacé et mordant était sans effet sur la volonté de Jack. Déterminé à mener à bien sa mission, il arriva au dernier portail, où il trouva le sorcier de l'autre côté, qui essayait de s'approprier le pouvoir de l'amulette. Ne réalisant qu'à cet instant que l'esprit humain de Jack était la dernière clé pour s'approprier le pouvoir de l'amulette, le sorcier le provoqua dans un ultime duel. Tel que les légendes l'avaient prédit, le champion et le damné s'affrontaient dans la dernière bataille entre le bien et le mal. Et c'est le mal qui triompha. La bataille fut éreintante, le sorcier était puissant et tenace. Mais face à l'ingéniosité et la force du grand Jack, le sorcier finit par tomber. Dans son dernier souffle, il voulut maudire Jack et le monde que ce dernier venait de s'accaparer. Mais Jack réussit juste à temps à voler l'amulette et à s'approprier sa puissance, donnant ainsi à cette citrouille damnée les pouvoirs d'un dieu! Jack retourna donc dans les bonnes grâces du diable, après tant de siècles à errer tel un paria. Assez puissant pour détruire le royaume entier, désormais peuplé par les monstres, il préféra seulement l'arpenter. Ainsi s'acheva une journée normale pour Jack.